Hello les amis, je vous trouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Enlinear Stone. Et bah, comme pour les dernières vidéos, je vais repartir pour le mode champ de bataille. Parce qu'avec cette nouvelle évolution d'un double pouvoir, suivant l'avancée de la partie, franchement, ça rebat toutes les cartes. Et donc ça devient encore plus intéressant qu'avant. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant une cote de 3643. J'ai joué un peu en off pour tester pas mal de personnages différents. Et puis pour continuer à progresser en expérience, en fait, tout simplement. C'est vrai que il y a maintenant une sorte de jeu en trois niveaux. Avec le premier, le deuxième quand on pourra poser le personnage, et un troisième qui après le développement. Une fois que vous avez gagné une gemme de sang, vous en gagnez une autre. Ça peut être pas mal. Chaque fois que vous jouez un serviteur d'un type que vous ne contrôlez pas, déclenche votre pouvoir héroïque. Ok, ça peut être pas mal aussi. Vengeance donne définitivement plus d'un PV à vos serviteurs. C'est pas mal aussi. Et là, subit 2 points de dégâts. Chaque fois que votre héros devait subir des points de dégâts, le serviteur gagne 2-2 à la place. J'ai bien envie de jouer ça ou ça. Bon, on va jouer celui-là, la solution de facilité. Faut que je repère. Il y a 5 types de serviteurs différents qui vont être proposés. Il faut que j'en repère 4 et que je joue avec 4 types de serviteurs. Et après, que quand je recrute le cinquième, ça me permettra d'engager mon pouvoir. Ouh, ça commence fort là. Ça commence très très fort. Avec dragon, démon, urane, mecha, élémentaire. Ok. Bien envie de jouer comme ça. Je vais aller prendre le démon, le dragon, pardon. Après, j'en pose 7, hein, donc je peux en mettre 4 plus l'autre serviteur, ça ferait 5 et j'ai encore une place. Allez, on va prendre lui. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, j'ai pris un mecha qui a un bouclier divin, c'est pas mal. Il me faut un Uran, élémentaire et démon. Alors, l'un des trois. Deux sur les trois. L'élémentaire, il y en a un qui a bouclier divin, quand même, il est quand même intéressant. Bouclier, pardon, qui a provocation, donc ça c'est peut être pas mal. Après, démon, il faut que je prenne celui. Si je prends les démons et les uranes, à la rigueur, je prends pas les uranes. Je sais pas trop, je vais voir comment ça se présente. Ben, j'ai bien envie de prendre lui, hein, puisque j'en suis là. Voilà. Voilà, et il y a le démon qui arrive. Je vais garder ma gemme, ma petite gemme, je vais le garder pour lui. Ce sera encore un peu plus intéressant. Et après, je peux même jouer l'autre, l'élémentaire. Ça, c'est vraiment. Si je fais ça. Je vais voir comment je vais gérer. Je vais voir. C'est vrai que ça va être intéressant. C'est-à-dire que l'élémentaire, je suis pas obligé de le jouer. Maintenant, je le jouerai que quand j'aurai eu le serviteur. Donc c'est ça qu'il va falloir que je réfléchisse. Je vais peut-être pas le recruter à ce tour-là. Je vais peut-être le geler. Le recruter les deux autres et puis le geler en fait. Stratégiquement, c'est quand même plus intéressant de faire comme ça.
faire ça. Ça. Je gèle les deux parce que j'en ai besoin. L'élémentaire, je vais le prendre pour plus tard. Ça, en plus, c'est pas mal de garder les élémentaires en cinquième parce que celui-là d'élémentaire, je peux le jouer deux fois. Donc, ça, c'est ça qui peut être intéressant. Après, de se démultiplier dans les classes, c'est pas forcément très très malin. Va falloir que je trouve la bonne formule, hein, en fait. Ah oui, quand même, là, hein. J'ai bien envie de jouer les mechas. Je vais jouer ça. Ça. Je vais geler les deux. C'est plutôt pas mal, ça. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Ah oui, quand même, oula. J'aimerais bien moi aussi en récupérer un là. Lui, il l'a déjà eu et moi je l'ai pas. Il manque carrément pas grand chose, hein, j'ai 98%. Bon. Aïe 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 aïe. Ah bah je l'ai, le voilà. Ouh, il y en a deux comme ça. Alors là déjà, chaque fois que vous jouez un serviteur. Ok, donc ça. Bah, je vais t'enlever, toi. Hein. Quoi? Alors,
Oula, déjà je vais prendre ça. Je vais garder comme ça, on va voir ce que ça va donner. Peut-être emmagasiner des serviteurs pour pouvoir les jouer plus tard. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour justement cette stratégie. Parce que c'est vrai que là, l'intérêt c'est d'arriver avec au serviteur en or et j'ai que 18%. Il y a encore pas mal de manches. Et si je les garde, le problème c'est que le risque c'est que je perde après des combats. Donc, à voir. Bon, lui, il est éliminé. Déjà un de moins. Donc, je vais déjà prendre lui. Je vais changer de niveau parce que je pense que c'est le moment. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a un mecha. Un dragon. Bon, allez, on y va. Oh, ça rien. Ouais, je joue comme ça, on va voir. Vrai que j'ai cherché le serviteur qui donne bouclier, qui donne provocation à deux serviteurs qui est au niveau 4. Et comme ça, je peux en bloquer deux. Je peux mettre lui et lui, par exemple. Comme ça, je me fais attaquer lui en premier. Et les points de vie, je les donne à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, j'ai jamais eu le cas où il est mort et qu'il a donné ses points de vie parce que pour l'instant, j'ai pas pu. Donc, on va voir. Ah, oula. D'accord, bon, ça. Ah oui, quand même. Alors, ça, lui, il va être embêtant. Bon. Bon, c'est déjà fait. Voilà. Ah oui, ça s'est équilibré, hein. C'est assez équilibré. C'était un combat très équilibré. Ah bah, il faut que je prenne lui quand même. Maintenant, il faut quand même que je joue les triplés, hein. Allez, on y va. Bon. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Mais il faut que je me méfie quand même, les amis, parce que j'ai pas le droit de stagner. Parce qu'avec les personnages, et ben là, le problème, c'est qu'il y en a, on se développe beaucoup plus facilement avec ces personnages-là. Donc là, il y a un moment, moi, je peux me retrouver coincé. Faut que je fasse attention.
fait tourner la roue de Yogg-Saron. Je sais pas ce que c'est. Bon, allez, un de moins. Ça aurait pu être pire pour lui, hein, franchement, mais bon. Alors là, il y en a plein. Hop, on va prendre lui. Lui. Et lui. Et rebelote, allez, c'est parti. Oh, bien. Oh bah là je vais le geler. Mais je continue de bien progresser, je trouve, et puis en plus là je vais pouvoir récupérer encore au moins 3 ou 4 personnages. J'aimerais bien arriver à 100% le prochain tour. Si je suis à 100%, ça serait très très bénéfique. Ah, lui il a les dragons et les boucliers divins. Ah oui, donne plus de DATK à vos serviteurs avec vous. Aïe aïe aïe. Lui avec les dragons, il va être dangereux, hein. Et puis moi, c'est vrai que je joue qu'avec 6 serviteurs aussi. Enfin 5 parce que lui, il me sert à rien. Ouh là 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 là, ça va être chaud patate. Ah oui, comme. Bon, déjà un de moins. Allez, hop. Ah ouais, ça va être chaud patate là. Et puis avec bon ça pour une fois que j'ai ce allez super bon pour une fois que ça se passe comme ça se passe très bien je l'ai battu et puis je récupère lui en plus ça c'est top. J'espère que je vais pouvoir m'améliorer. Allez. Élémentaire, deux élémentaires. Pff, bon, bah, j'en prendrai un et puis je vais prendre lui. Et lui, allez. On va espérer. Ah. Je vais le geler pour me faire un triplé. Bon, j'ai quand même bien progressé. Je suis à 41. C'est quand même pas mal. Hein. Mais j'ai pas eu le fameux serviteur. Oula, d'accord. Bon, ça s'est très bien passé. Je vais faire un triplé en plus, donc je vais voir si je peux récupérer un serviteur qui serait pas mal.
au niveau 4. J'ai pas eu la chance le coup d'avant. Mais ça peut être pas mal aussi face à l'autre qui a des boucliers divins parce que il est un peu énervant celui qui a des boucliers divins. Ah! Ah! Oh là là! On va prendre lui. Et je suis un peu embêté là. Bon. Oui, j'ai toujours pas le truc, c'est ça qui est embêtant. Lui, j'affronte des mechas. En fait, j'ai pas le serviteur niveau 4, je l'ai pas eu parce que je suis pas encore niveau 4, mais j'ai deux serviteurs en or et j'ai pas pu le gagner. Il va falloir que je monte niveau 4 pour essayer de le choper parce que ça serait quand même important. Et puis surtout, maintenant que lui est à 48-48, ce serait bien qu'il donne ses points de vie à quelqu'un d'autre. Bon, ça devait arriver, au moins j'en perds un. Il en perd un. Voilà. Ok. Ce serait bien de se faire les deux là, parce que. Je crois que c'est un carnage, je suis pas sûr qu'il survive à ça. Voilà. Ah zut, il est encore là, hein. Je lui ai pas fait perdre beaucoup de points de vie. Alors voilà celui qui a bouclier divin, voilà. Où est-ce que je lui mets un autre? Il est niveau 6 en plus avec ses dragons. Bon. Faudrait que je survive quand même contre lui parce que. Après, non, il fait pas trop perdre. Il a pas trop perdu contre lui et. Ok, bon, on va voir. C'est juste serviteur qui me manque. D'accord, 83, oui, mais bon, ok. Oh non, c'est pas lui qu'il faut viser. Bon. Ok. Bon, rien de plus. Bon, ça c'est pas mal. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. Et là. Ah zut, j'en perds un autre. Ah mince. Bon, je le bats lui donc. Mais de pas grand-chose.
Ah, j'arriverai pas à le jouer lui, donc je vais l'enlever, ça me sert à rien. Autant récupérer ça, ça peut toujours servir. Ça serait bien d'en avoir un troisième comme ça aussi. Parce que comme ça, quand il meurt, il redonnerait deux fois ses points de vie à un autre serviteur. Ce qui peut être quand même pas mal. Ah, j'ai quand même trois serviteurs à plus de 60. Deux serviteurs à plus de 30 qui ont bouclier divin. Lui, il a quoi, lui? Il utilise... Inflige 14 points de dégâts. Ah oui, il donne aussi autant à ses serviteurs alliés. D'accord, ok. On va voir. Pas si je perds lui ou lui, c'est brave. Ah, puis il y a lui qui attaque. Oh, lui, il va être pénible. Ah, d'accord. Bon, super. Ok. Ah ouais, ça s'est pas très bien passé finalement. Oh là là. Bon, ben ça s'est pas bien passé en fait. Va falloir que je récupère des serviteurs en or et puis l'autre avec provocation parce que sinon, lui il va me battre. Ça va être très important, très 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 important. Ça commence pas bien là. Le voilà. Bon, déjà un. Ça c'est très 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 important. Démon, deux fois l'Hérald d'agonie. J'ai bien envie de jouer ça, moi. Je vais garder lui, on verra après. Allez, on va aller chercher un autre. Pourvu que je l'ai. Non plus. Oh, quel dommage. Bon, bah, j'ai bien envie de prendre lui, quoi, en attendant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'au point où je pourrais mettre un bouclier divin sur lui? Et donc aspirer l'adversaire à m'attaquer. En attendant. Alors, on va tenter, hein. Voilà. Ouais. Je suis pas très très satisfait, mais bon. Bon, là, je joue contre un adversaire qui a déjà perdu, donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Je fais comme ça. Ça, dans le pire des cas, l'autre, je pourrais le contrer. Effectivement, il me battra deux serviteurs, mais sans plus. Ça va être quelque chose qui va être intéressant à faire, en fait. Ouais. Oh, il va être pénible lui, hein. D'accord. Ok, bon. Allez, un de moins. Un deux de moins. Voilà. Là, ça va être quand même beaucoup plus... Voilà, bon. C'est là que ça va se jouer. Ça serait pas mal et que je m'utilise lui qui déclenche deux fois son râle d'agonie. Alors ça peut être pas mal du tout. Je rejoue lui. Bah, je vais pas prendre le risque de me changer de dragon. Allez. Oh, là 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 là. Je vais en prendre un au cas où.
Eh ben. Ouais, j'ai pas eu le temps. Je sais pas trop. Je suis mitigé. Mitigé, mitigé, mitigé. Bon, voilà, il a dû. Ah, ça va être compliqué là, très compliqué. Je vois pas comment je peux m'en sortir avec. Ah bah là, ça commence très mal. Oh là là. Ah ouais, non, mais là, ça se passe très très mal là. Ouais, ça se passe très mal. Alors lui, il va falloir que j'utilise un truc pour lui enlever son bouclier divin parce que sinon, je vais me faire dégommer. Il y a un serviteur qui permet d'enlever tous les boucliers divins. Je crois que là, c'est une priorité. Bon, on va voir, j'en prends un quand même, mais. Le voilà. Ça peut me sauver parce que. Je vois pas comment je peux m'en sortir sinon. Je l'aurais jamais eu, hein, donc. Je vais tenter parce que je vois comment je peux jouer autrement. Ouais, bon, je sais pas trop si je devais le mettre avant. C'est quand même un beau combat. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Bon, voilà. Super. Alors ça, c'est par contre, c'est pas de chance ça. Oh, non mais pourquoi il attaque lui? Il était pas obligé, hein. Aïe aïe aïe, j'ai perdu. Et j'ai pas eu. Ils ont pas attaqué les bons adversaires là. Dommage, vraiment dommage. Ça s'est pas super bien terminé finalement. Bon bah, j'ai été vraiment au bout du bout, puis je gagne beaucoup d'expérience. Mais je pouvais pas faire mieux en fait. Voilà, c'est aussi la limite de ce serviteur et du pouvoir que j'avais. Bon, allez, je repars pour un combat. Je vois pas comment j'aurais pu optimiser mieux si ce n'est avoir ce fameux serviteur avec provocation que je n'ai jamais eu. J'ai eu beau le chercher, je l'ai pas eu. Rien à faire, il n'est jamais apparu. J'ai bien eu au moins 20 tentatives. Alors, lui, ouais, c'est qu'une fois aussi, c'est pas intéressant son pouvoir. Ah, à la fin de votre tour, donne 5-5 à un serviteur doré allié aléatoire. Et c'est un pirate. D'accord, sauf que les pirates, j'en ai pas. Bon, donne un serviteur pour chaque pièce d'or dépensée ce tour. Ça peut être pas mal aussi. Et ça aussi. Je vais jouer ça et je vais essayer de tenter de jouer les élémentaires. J'aime bien jouer les élémentaires. C'est plutôt sympa.
Je réfléchis un petit peu à la stratégie que je vais avoir à adopter, en sachant que si je veux arriver au serviteur en plus, il va falloir quand même que je dégomme des serviteurs. Donc, changer de niveau tout de suite, ça peut me ralentir beaucoup dans la stratégie. Oh. J'ai pas envie de prendre de risque. Ouais, j'ai pas envie de prendre de risque là-dessus. On verra quand je serai arrivé avec ce serviteur, on verra à ce moment-là. Cri de guerre donne un serviteur pour chaque pièce d'or dépensée pendant ce tour. D'accord. Bon, il le fait qu'une fois, j'ai l'impression. Il va falloir que j'optimise tout ça. Hein. Je vais tenter. Je récupère un serviteur. Je fais ça. Et j'actualise. Et je n'ai rien du tout. Ok, bon. Alors, je vais peut-être le garder. Je vais pas prendre le risque de l'utiliser maintenant. C'est vrai que dans les élémentaires, au niveau 3, il y a un élémentaire qui a Furie des vents. Et lui, il est vraiment très puissant. Je vais peut-être essayer de le récupérer. Je vais voir. Après, c'est utopique parce que je peux attendre. Dans la partie d'avant, j'attendais le serviteur au niveau 4 qui donnait provocation à deux serviteurs. J'ai attendu. J'ai jamais eu. Zut, ah, s'il avait attaqué l'autre, j'aurais pu m'en sortir. Après. Mon pouvoir est pas top en fait. Il est pas top du tout. Va falloir voir. Ouais, c'est pas top du tout. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quand même que je récupère des serviteurs, parce que je vais pas m'en sortir avec ça. Je vais prendre lui. Je vais prendre lui aussi. Et y a rien. Bon, c'est au moins pour pouvoir rivaliser face aux adversaires et pouvoir continuer à progresser dans le jeu, parce que là, pour l'instant, j'ai pas d'orientation particulière de classe. Donc c'est pas terrible en fait. Après, ça veut rien dire, hein. C'est comme ça, c'est la partie qui décidera, mais. C'est pas parce que je pars mal que ça va mal se terminer. Ça m'est déjà arrivé une fois de partir dans le flou comme ça, puis pour toute la partie être dans le flou. Or je prenais comme ça venait, sans stratégie précise, et puis je me suis retrouvé à gagner la partie. Donc, en n'ayant pas de classe particulière en fait, c'est ça. D'accord, j'en récupère deux quand même. Ok. Ok. Bon. Ouais, lui il l'a déjà. Oh, aïe. Ouais, c'est fort, hein. Il y est déjà. Et moi je suis qu'à 77%. Bon. J'ai toujours pas de stratégie prédéfinie. Ah, mais je vais m'orienter vers les mechas parce que. Oh, aïe. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est pour chaque pièce d'or dépensée pendant ce tour. On va voir.
C'est son cri de guerre. Donc je vais en dépenser un maximum de pièces d'or et puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'aurais aimé avoir le serviteur avec. Oh là là. Pff, ouais, bah lui il est déjà. Ah oui, il donne une banane à un serviteur. Ouais, d'accord, bon. Ça va être injouable là, les amis là. Bon, je vais récupérer lui, mais. Voilà. Bon, il a gagné là, mais. C'est assez catastrophique. Bon. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, je suis vraiment pas satisfait du tout. Ah, il est là. Bon. Ouais, je prends un risque énorme là. Vraiment, je prends un gros risque de me bien me faire me dégommer, mais lui, il faut que je fasse progresser au maximum. Donc, je vais en jouer des pièces d'or au prochain tour et je vais tout lui mettre dessus parce que sinon, je vais être complètement coincé, les amis. Voilà, ça va être très très compliqué là. C'est ce que je craignais. Alors là, il faut que je mette un serviteur qui a énormément de. Énormément. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc. Ah, mais je vais faire quoi avec ça, moi, les amis? Voilà, j'ai fait du mieux que je peux pour me sortir de la panade, mais je suis pas sûr que ça soit suffisant. On va voir. Je le mets en premier pour vraiment embêter mes adversaires, mais bon, s'il a un gros adversaire, ah, il y a 31-10, c'est une catastrophe. Bon, super. Voilà, c'était ce que je craignais. Bon, j'ai perdu. Aïe 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 aïe. J'ai pas de bol qui m'attaque lui en premier, c'est un truc de fou, hein. Il me reste 11 points de vie, les amis. Je suis au bord du gouffre. Au bord du gouffre, ouais. Je vais prendre lui par hasard, mais.
Je suis convaincu de rien du tout. Voilà, je fais comment là? Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Ah, je suis obligé de l'enlever, lui, sinon je vais me faire dégommer. C'est plus possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un gros doute. Oh purée. Oh purée. Ça va être extrêmement compliqué là, les amis. Je m'en sors, mais c'était chaud patate. Plus c'est contre le premier, mais c'est un truc de fou. Je suis pas dernier déjà. Il y en a trois qui ont moins que moi. Ok. Voilà, faut pas que je me rate parce que en fait, lui, il m'a servi à rien là. Qu'est-ce que je vais faire? Oh! Allez, on va tenter, hein, on verra bien. Qu'est-ce que ça va me donner? Il a quoi lui? Il a 12 points de vie. Ah, oh, mais il a que 1 point de vie d'écart avec moi. Ouh là là. Il a des élémentaires. Bon. J'espère que lui, il pourra faire un petit dégât, mais il n'y a pas grand-chose, donc... Il n'y a pas grand-chose. Je suis un peu coincé là. Ouh là, 23, oui, d'accord. Bon. Ça va être compliqué. Allez, un de moins, mais je perds mon gros. Oh, bah j'ai pas de chance là. Bon, ça c'est plus chanceux. Non, pas lui. Bon, ok. Ok. Bon, je m'en sors bien. J'ai peut-être pas perdu. 4, 8. Oh, j'ai pas perdu. Oh, c'était chaud patate. Bon. Bah, ça serait bien d'avoir quand même quelque chose. Bon, faut que je récupère lui. Lui, il me sert à rien en fait. Ça me sert à rien.
Ah, je peux peut-être. Je peux pas. Il y a déjà un qui a perdu hein, quand même. Hein. Et moi, je suis au ras des pâquerettes. Après, lui, il a progressé un petit peu. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais alors là, je vivote et j'avance quasiment pas. Donc. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, c'est toujours ça. Je vais m'en sortir, je pense, hein, mais bon, pas forcément satisfait. Wow, c'est juste, c'est chaud patate. C'est au ras des pâquerettes. Et j'ai pas les deux autres. Bon, prends lui. Oh, allez, je prends lui. Bon, j'ai fait au mieux. Je vivote, hein, mais je fais au mieux. Après lui, je l'ai quand même amené à 10. Donc, bon, il y en a 3 qui ont perdu. Je suis toujours dernier, avec du n'importe quoi. J'ai lâché mon serviteur qui permettait aux autres serviteurs de progresser. Bon, bah, c'est comme ça. C'est vrai que lui, je l'ai pas assez fait progresser. J'aurais dû le mettre à la fin, mais bon. On va voir si ça relève du miracle, là, ou pas. Ouf, ça peut être pas mal, ça. Ah bah ça c'est moins bien, voilà, j'ai perdu. Bon, c'est fini, hein. C'était le plus mauvais des scénarios qui pouvait se passer. Ouais, c'est pas une super partie en fait. Vraiment pas très intéressante. C'est dommage, j'aurais bien aimé les poser et puis faire progresser mon serviteur qui avait lui là. Ou lui. J'aurais tout mis dessus. Alors là, lui, je l'aurais amené à 30 ou 40. Ça aurait été intéressant. Bon, je finis cinquième. Alors, c'était au ras des pâquerettes parce que j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup pire. Et puis bon, bah, je continue de progresser. Une cote de 3872. Voilà, c'est vrai que le niveau, maintenant, ce mode-là est vraiment intéressant. C'est beaucoup, beaucoup plus stratégique de cette façon-là. Faut vraiment connaître en plus ses adversaires, faut connaître tous les serviteurs, tous les personnages pour pouvoir mieux se positionner. Voilà, donc écoutez, moi en tout cas moi je m'éclate maintenant dans le mode champ de bataille. C'est vraiment un mode qui vraiment me botte vraiment vraiment vraiment. Et puis bah, je suis bien content de pouvoir vous le faire découvrir en vidéo. Et bah écoutez, voilà les amis, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.